Déclare ton slam. Pauvre et riche jeu de mots. Si on suit les problèmes cas par cas, on comprendra que le pauvre est un cas à part avant d'être un cas. Si tu te soucies de lui, lui va se soucier de toi, en oubliant que socialement, c'est lui le cas. Dans une salle de classe, le pauvre est souvent au fond de la classe, peut-être parce qu'il tient socialement à sa classe. Si vous faites un travail qui le monde est en hauteur, le pauvre restera en bas pour attraper l'échelle, donc au bas de l'échelle. Nous les pauvres, on a toujours faim, peut-être parce qu'on sait qu'on n'a rien. On fait beaucoup d'enfants, on est très fécond, il faut préserver la race. Les riches ne font pas beaucoup d'enfants, histoire qu'il n'y ait pas trop de riches. S'il y avait plus de riches que de pauvres, ce serait un luxe d'être pauvre. Dans les pays riches, les pauvres sont gros. Et dans les pays pauvres, les riches sont gros. Autrement dit, c'est un privilège d'être mince aux États-Unis et c'en est un d'être gros au Kenya. Toute ambiguïté linguistique est attribuée aux pauvres. Voici quelques jurons de ma jarre utilisés dans mon pauvre jargon. En aucun cas une injurie, mais les utiliser ne serait pas bon. Quand quelqu'un meurt, on dit, il est mort le pauvre. S'il mange mal, on dit, il mange mal le pauvre. S'il est pauvre, on dit, il est pauvre le pauvre. Et même quand il est riche, on dit, il est riche le pauvre. C'était quelques jurons de ma jarre utilisés dans mon pauvre jargon. En aucun cas une injurie, mais les utiliser ne serait pas bon. On est pauvre d'une cause et les causes nous rendent pauvres. On est riche à cause de nos biens. Mais si on a un cœur bien, on est bien riche. Le riche est un cas à part qui tient à rester à part. Il ne vous dira jamais comment il a fait pour devenir riche, juste qu'il a commencé manœuvre. Pour que vous soyez fiers de vous, en oubliant que votre père et votre grand-père, eux aussi, étaient manœuvres. Même les prêtres ne prêtent pas aux pauvres. Si tu es prêt à porter tout ce qu'un pauvre va t'apporter, il faut avoir un prêt à porter. Frère, ne déformons pas les phrases à notre avantage pour avoir raison sans raison. Si on s'adonne à ce jeu, c'est sûr que tu n'auras pas raison. À la guerre comme à la guerre, mais à la guerre tout le monde ne fait pas la guerre. Si tu voles parce que les oiseaux volent, quand tu seras en prison, tu comprendras pourquoi les oiseaux sont en cage. Et pour la nuit, tous les chats sont gris. Renseigne-toi bien, les daltoniens font plus d'une fois le jardin. Si une voix nous parle, écoutons. Si je dis quittons et que tu me demandes de quitter, si on s'écoute, pourquoi vivons-nous en Kunta Kinte? On est pauvre d'une cause et les causes nous rendent pauvres. On souffre de ces faits passés qui ne se sont pas bien pensés. Prends le temps de poser tes pas et l'erreur ne se posera pas. C'est logique, on s'asphyxie si on gêne l'accès à son oxygène. Aussi vrai que le cœur sera toujours stupéfait par l'effet de stupéfiant, c'est un fait. Si tu n'as rien fait, on ne cause pas de cause à effet. On est pauvre dans le cœur, riche dans la tête. On a des pommes de pauvre, une tête de riche. Pauvre dans un pays riche, riche dans un pays pauvre. Pauvre, riche, riche et pauvre. On est pauvre d'une cause et les causes nous rendent pauvres. On est riche à cause de nos biens, mais si on a un cœur bien, on est bien riche. Pourquoi jamais vivre le slam?